Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas, de son union avec Tamar, engendra Phares et Zara. Phares engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Akim, Akim engendra Elioud, Elioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Le jour où nous fêtons la naissance de Marie, la liturgie nous propose une généalogie, pas la sienne, mais celle de Jésus. Marie n'existe que reliée, épouse de Joseph, mère de Jésus-Christ. C'est par elle que Jésus est venu au monde. C'est par Jésus, son fils, qu'elle est Marie. Marie sera la première des disciples de son propre fils. Elle sera toujours de côté. C'est Jésus qui est au centre. C'est lui le Messie sauveur qui s'incarne dans l'histoire humaine, symbolisée par cette généalogie. Il y a une multitude de visages de l'histoire sainte. Des noms et encore des noms dont certains nous sont plus connus que d'autres, avec leur gloire, leur péché. L'humanité dans ce qu'elle a de plus sublime et de plus sombre. Jésus qui naît de Marie n'est pas hors sol.
Il est pleinement incarné, enraciné dans une histoire qu'il prend sur lui. Il n'en sera jamais esclave et restera toujours un homme libre. Avant de vivre son grand passage sur la croix, Jésus confie sa mère. « Voici ta mère, » dit-il à Jean. En regardant Marie, devenue notre mère, nous verrons celui qu'elle a aimé et suivi, Jésus, son fils. Car Marie nous montre toujours son fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Cette femme de silence donne naissance au Verbe, la parole de Dieu. De cette parole, Marie en est tout imprégnée. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Marie est docile à cette parole qui est son fils. Elle nous montre le chemin. Ce n'est pas elle, c'est Jésus. Cette généalogie nous dit que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Comme Abraham, Marie et Joseph, nous sommes au cœur d'un projet. En fêtant la naissance de Marie, nous fêtons la naissance de son fils qui réalise le projet du Père du ciel. Avec Marie, naissons au Christ Jésus.